Oh punaise, mais le chocolat, c'est vraiment la meilleure chose qu'on aurait pu inventer sur Terre, quoi. Ah mais oui, c'est vrai que tu m'as toujours pas vu avec ma nouvelle coupe. Tu me diras si t'aimes bien dans les commentaires, parce que moi, j'adore. Si je suis, c'est pas ma faute, hein. C'est que le livreur vient de me déposer mon colis qui est le meuble pour ma chambre. Il pèse 45 kilos et j'ai dû le monter sur un étage toute seule. Salut la mif! Aujourd'hui j'ai décidé d'écouter tes petites peines de cœur sur tes crushs, tes ex, ton copain, ta copine. Et essayer de te donner des solutions, un maximum de conseils, tout ça. Enfin bref, on va écouter pas mal d'histoires aujourd'hui. J'avais pas envie, tu vois, juste de répondre, d'être là dans la caméra, machin et tout. Je me suis dit qu'il fallait un truc un peu plus, tu vois, je sais pas, un peu plus dynamique. Et du coup j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat. J'ai pris une recette hyper simple sur Google tout simplement parce que je dois aller travailler dans 2 heures et que j'ai pas le temps de faire un gâteau qui dure 4h30. Je crois que plus simple que ça, il n'y a pas. J'ai tous les ingrédients qui sont à côté de ma table et je vais faire le gâteau tout en répondant à tes messages. Le premier message, c'est mon copain est trop proche d'une fille, il me dit qu'il n'y a rien avec elle, mais quand je suis pas avec lui, il est forcément avec elle et des potes, mais souvent avec elle toute seule. Je lui ai dit, il m'a rassuré, mais si moi je passe du temps avec un pote à moi, il va serrer. Alors je vais commencer à faire mon petit gâteau tout en te parlant. Nous avons donc 200 g de sucre. Putain, mais c'est énorme. Alors moi, ce que je pense de ton histoire par rapport à ton copain et la fille, donc toi tu lui as dit, il t'a rassuré, etc. Coucou toi. Donc ok, il t'a rassuré tout ça, mais pourquoi lui il devrait serrer quand tu vas voir un pote à toi? Le truc c'est que s'il te demande d'accepter le fait qu'il aille voir une fille toute seule, bah alors dans ce cas là il devrait accepter que toi tu vois des potes tout seul aussi. On va mettre 125 g, ce sera très bien, de toute façon j'ai plus de sucre. Moi j'aime pas du tout les couples où il y en a un qui dit à l'autre, ouais non mais tu fais pas ça machin, mais par contre lui il le fait. Bah non, si toi tu dis à ta meuf que tu peux pas le faire, tu le fais pas non plus. Alors je suis désolée, je vais juste casser mes œufs parce que sinon demain on y est encore. Je te mettrai la recette dans la barre d'infos si tu veux pour le gâteau, s'il est bon, mais bon après c'est un gâteau normal quoi. Donc bref, revenant à notre petite conversation, bah pour moi, ton mec il devrait pas, enfin ok il t'a rassuré machin, toi tu l'acceptes, mais par contre lui il a pas à serrer quand toi tu vas voir un de tes potes, c'est pas juste. Si toi t'acceptes malgré tout qu'il aille voir une pote toute seule alors que ça te plaît pas machin et tout, tu prends sur toi, tu fais des efforts, il devrait faire des efforts aussi et accepter que bah toi tu ailles voir un pote à toi toute seule. Les efforts ça marche dans les deux sens hein les gars. Alors deuxième message, depuis petite j'ai été abandonnée par mon papa, étant en couple j'ai du mal que mon copain passe du temps avec ses parents. Alors là je comprends bien qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie de ton côté parce que bah forcément toi tu t'es malheureusement fait abandonner par ton papa et j'en suis désolée. Et ton copain lui il s'entend bien avec ses parents tout ça, donc je comprends qu'il y a un petit peu de jalousie. Après tu peux malheureusement pas priver ton mec de ses parents, c'est ses parents, voilà, si c'est toujours bien entendu avec eux machin, bah tu peux pas toi arriver et dire que ça va changer maintenant. Il faut en fait que tu réussisses à accepter que bah malheureusement toi ça s'est pas super bien passé avec tes parents, enfin en tout cas avec ton papa de ce que je comprends. Je sais que ça peut être super compliqué parce que bah c'est dur quoi de voir quelque chose que toi t'as pas eu, que ton mec il a machin et tout, enfin je sais que ça peut être super compliqué. Et après je sais pas, essaye d'être contente pour lui, de te dire que lui il a la chance que toi tu n'as pas eu et de transformer ta jalousie en quelque chose de plus heureux. Après je sais que c'est pas facile et que de ton côté ça va être compliqué de les voir passer des moments comme ça tous ensemble alors que toi tu n'as pas pu passer ces moments là avec ton père. Mais même si c'est injuste, bah tu peux pas gâcher la relation de ton copain avec ses parents juste pour toi. En tout cas je te souhaite un très bon courage parce que je sais que ça doit être très difficile. Alors maintenant que le sucre et les œufs sont mélangés, je vais mettre le beurre et le chocolat que j'ai déjà fait fondre au micro-ondes parce que je suis quelqu'un d'organisé. Oh mon dieu, j'ai envie de manger tout le chocolat qui coule là dans le bol. En plus de ça, j'avais acheté du chocolat assez noir dessert là, exprès pour les desserts, c'est trop bon. Alors prochain message, mon copain me dit seulement je t'aime quand on se voit, jamais en message, c'est gênant. Alors je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir, mais il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer par message, mon copain est totalement comme ça. Puisqu'il y a des gens voilà qui n'aiment pas trop les messages et qui n'arrivent pas à transmettre les émotions par les messages, moi je suis trop forte à ça, mais il y a des gens pas du tout. Donc on peut pas trop leur en vouloir, après essaye de lui en parler si vraiment c'est gênant pour toi et que tu te dis que c'est peut-être bizarre et qu'il y a peut-être autre chose derrière. Moi je pense qu'il y a juste des gens qui s'expriment différemment. Et comme par appel, moi par exemple je parais très froide en appel parce que j'aime pas appeler les gens et que je déteste ça vraiment. Je préfère largement le face-à-face ou les messages que les appels, donc forcément je serai froide au téléphone, mais c'est pas contre toi tu vois. Donc ouais, essaye de lui en parler pour voir un petit peu ce qu'il en pense, si tu penses qu'il y a autre chose derrière. Et moi je pense que s'il y a pas de souci en face, il y a pas de souci par message non plus. Regarde-moi ça. Dire que je vais le mettre au four, que je vais le sortir et qu'après je vais devoir partir au travail. Alors déjà, hey, moi j'ai besoin de tes conseils. Ma nouvelle copine est sortie d'une relation toxique et elle a du mal à faire confiance, du coup help me. Alors ça c'est une situation assez compliquée parce que si ta copine vient de sortir d'une relation toxique, forcément elle est peut-être un petit peu perturbée on va dire, ce qui est totalement normal parce qu'une relation toxique ça peut traumatiser quelqu'un hein, clairement. Donc il faut que tu lui laisses du temps, il faut que tu essayes de discuter avec elle mais que tu la forces pas à parler de ses sentiments et de ce qui s'est passé avec son ex. Si elle l'a déjà fait c'est super parce qu'elle te fait confiance et qu'elle peut se libérer avec toi, donc ça c'est cool, mais ne la brusque pas trop machin, et c'est normal qu'elle ait pas totalement confiance pour l'instant. Malheureusement c'est pas ta faute et du coup c'est un petit peu injuste que ça tombe sur toi, mais dis-toi que bah elle veut pas ça, c'est pas elle qui contrôle ses sentiments, c'est pas elle qui contrôle sa
peur. Avec le temps, elle arrivera un petit peu plus à avoir confiance. Il faut que tu sois avec elle, que tu l'accompagnes dans ce travail, que tu lui prouves que sa relation dernière, c'était pas comme les autres relations et qu'elle peut avoir beaucoup mieux, qu'elle mérite mieux. Et voilà, il faut du temps, il faut que tu l'accompagnes, que tu la mettes à l'aise, que tu lui prouves que toutes les relations ne sont pas comme ça, qu'elles ne sont pas toxiques, qu'on va pas lui faire du mal tout le temps. Mon crush ne veut plus me parler parce qu'il est soi-disant occupé et il a pas mon temps. Alors, je vais sûrement te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Si malheureusement ton crush te dit qu'il est tout le temps occupé, qu'il a pas envie de te parler, qu'il a pas ton temps, etc., bah c'est pas très très bon signe. Je pense que tu mérites quelqu'un qui veuille te parler, qui s'intéresse à toi, etc. Il a été clair avec toi, malheureusement après peut-être qu'il fait encore poireauter, enfin on sait pas toute l'histoire non plus, mais je pense que tu mérites trois fois mieux. Donc change de crush parce que lui, voilà, il en vaut pas la peine. Et si ça commence comme ça, bah c'est pas très bon pour la suite quoi. Alors 70 grammes de farine. Désolée, je mange encore du chocolat, mais on est trop bon. Je veux trop être la fille parfaite pour ne pas le perdre. Alors, si j'ai un conseil à te donner, ma belle, c'est de tout faire sauf d'essayer d'être la fille parfaite, mais juste d'être toi-même. Je sais que c'est compliqué parce que bah quand t'es dans une relation et que tu veux absolument que ça se passe bien et que voilà, tu veux pas du tout perdre la personne, que tu l'aimes, etc., tu veux vraiment donner tout ton max. Mais le truc, c'est que tu pourras pas faire ça pendant 40 ans si jamais tu restes pendant 40 ans avec cette personne, imaginons, hein. Ça va durer un temps, mais à un moment donné, il faudra bien que tu redeviennes toi-même, que tu redeviennes naturelle, et puis même, tu vas pas te sentir bien dans une relation où tu veux toujours, toujours, toujours être parfaite. C'est pas ça la vie de couple et c'est pas comme ça, sûrement pas, que vous allez être heureux tous les deux. Donc voilà, il faut que tu lui montres comment tu es vraiment. Même si t'as des défauts, la personne elle les acceptera si elle t'aime, il y aura pas de souci avec ça, mais tu peux pas te forcer à être parfaite tout le temps juste pour pas perdre la personne. Tout ça pour dire que ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose ou de se priver de faire quelque chose en couple. Sois toi-même, si ça doit durer, ça durera. Il y a pas de raison qu'il aime pas tes défauts si vous vous aimez et que vous êtes bien ensemble, voilà. Bon bah écoutez les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai fini mon gâteau. C'était super rapide en fait, j'ai eu le temps de faire passer 5 questions et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Un gâteau bah, des plus basiques quoi. Je vais le verser dans le moule mais j'ai pas mis de beurre dedans donc j'ai peur que ça accroche un petit peu. Mon copain a décidé de me quitter parce qu'il veut s'amuser avec ses potes. Dans tous les cas, on peut très bien s'amuser en étant en couple. Un mec qui fait ça, c'est pas s'amuser avec ses potes, hein, c'est s'amuser avec les autres meufs qu'il veut. Donc t'inquiète pas, t'as rien loupé, t'as rien raté. Je suis en couple depuis l'âge de 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans, et j'ai pu vivre mon adolescence totalement normalement avec mon mec. Mon copain s'amuse très très bien avec ses potes, il sort je ne sais combien de fois dans la semaine avec eux, machin, donc ça ne veut rien dire ce qu'il t'a raconté. Les excuses comme ça, je déteste ça, c'est un truc que je peux pas supporter vraiment. Donc essaye, même si je pense que ça doit être assez compliqué si tu viens de te faire quitter maintenant et j'en suis vraiment désolée, j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Mais essaye de voir le positif, essaye de te dire que dans tous les cas c'était pas quelqu'un pour toi, parce que te quitter parce qu'il avait envie de s'amuser avec ses potes alors qu'il peut très bien le faire avec toi. Alors en septembre j'ai commencé à parler à un mec normal, en mode ami, sauf que j'ai commencé à m'attacher et deux jours après j'apprends qu'il est en couple. J'ai continué à lui parler mais je m'attachais de plus en plus, il me considère que comme une pote mais je me suis embrouillée avec sa meuf et il m'a défendu, je sais pas quoi en penser. Mais je pense que ce que je vais te dire ne va pas trop te plaire. Pour moi, à partir du moment où t'as vu que tu t'attachais et que t'as appris qu'il était en couple, t'aurais dû lâcher l'affaire, tout simplement parce que bah pourquoi? En fait, pourquoi continuer à toi de faire du mal sachant qu'il est en couple? Tu l'as très bien dit dans tes messages, il te considère comme une pote et pas plus, donc je vois pas pourquoi t'essayer encore d'aller creuser. Et en plus de ça, tu t'es embrouillé avec sa meuf, ce qui veut dire que t'es en train de foutre un petit peu la zizanie dans leur couple, et ça, c'est pas hyper cool. Je sais que tu penses à tes sentiments, tout ça, machin, mais ça sert à rien de creuser plus loin parce que le mec il est en couple et t'es en train de te faire du mal à toi toute seule. Et en plus de ça, tu vas peut-être détruire une relation qui malheureusement dure plus longtemps que ton attachement. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le mec il est en couple, tu lâches l'affaire, quoi, c'est tout, tu vas pas chercher plus loin. Peut-être que ce que je vais te dire ne va pas te plaire, hein. Sûrement d'ailleurs je pense, mais voilà, enfin je suis désolée, c'est juste que c'est normal. La meuf elle voit très bien que c'est ambigu entre les deux, donc normal, bah tu vois, elle se pose des questions. Est-ce que tu te sentirais bien à sa place? Je pense pas, donc après voilà, que ça te plaise ou pas, malheureusement moi, je te donne mon avis. Mais je trouve que ça ne se fait pas trop et que tu devrais lâcher l'affaire avec ce garçon ou juste prendre tes distances et rester pote avec lui mais pas plus quoi. Du coup on arrive au dernier message. Hello Marie, alors voilà, moi ça fait un mois et demi maintenant que j'ai rencontré un garçon qui travaille avec moi, je suis serveuse et lui en cuisine. De suite il y a eu un bon feeling et on a commencé à parler par message. En très peu de temps, j'ai remarqué que je lui plaisais et que lui me plaisait aussi. Un petit jeu de séduction s'est installé avec au moins un petit peu de câlin et quelques bisous volés tous les jours. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'il avait une copine. Il me l'a pas dit directement car il voulait pas fermer les portes avec moi et qu'il était dans un dilemme qui est entre ne pas louper l'opportunité avec moi et entre ne pas quitter sa copine car il l'aime et que c'est une fille gentille, bien. Du coup, il a décidé qu'on s'éloigne, ce que je peux comprendre parfaitement car même moi ça m'a mis mal à l'aise. Mais lorsqu'il m'a dit ça, j'étais mal, vexée et lui était mal pour moi et s'en voulait énormément de m'avoir mis dans cet état-là. Alors, ça c'est une situation assez compliquée. Comme la situation d'avant, le mec est en couple sauf que là bah t'étais pas au courant, donc enfin
voilà, rien n'est de ta faute quoi. Déjà pourquoi le mec il a commencé à faire un jeu de séduction et des bisous volés, c'est embrasser ou des bisous sur la joue? Parce que s'il t'a embrassé alors qu'il est en couple, le mec est allé un petit peu loin quand même. Même s'il est dans un dilemme où il a pas envie de louper l'opportunité avec toi, je trouve que quand même c'est pas bien quoi. Ce qu'il a fait c'est pas bien envers toi et envers sa copine encore plus. Enfin, s'il était en couple depuis le début, pourquoi est-ce qu'il a commencé un jeu de séduction avec toi? C'est complètement dégueulasse vis-à-vis de sa copine, c'est complètement dégueulasse vis-à-vis de tes sentiments à toi, parce que le jeu de séduction, tout le monde sait qu'il est là, donc il a su que t'allais t'attacher. Maintenant forcément il s'en veut de t'avoir mis dans un état comme ça, mais à un moment donné, enfin il le savait, enfin il l'a tout fait pour quoi. Peut-être qu'il a eu du mal à céder à la tentation, on va dire, mais pour moi, enfin quand t'es en couple, tu bronches pas et ça se fait pas du tout ce qu'il a fait, et je te conseille absolument pas tout simplement de continuer avec lui. Les mecs comme ça, malheureusement, la plupart du temps, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, et enfin voilà quoi, c'est assez compliqué, donc j'ai. Enfin, moi, je te conseille pas de t'embarquer là-dedans. Après, tu fais ce que tu veux, voilà, mais à partir du moment où il est en couple, ça devrait te stopper net, en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Toi, c'est totalement normal que tu aies été blessée, vexée, mal, etc., parce que tu t'y attendais pas, et que pour toi, à partir du moment où un mec commence un jeu de séduction avec toi, c'est qu'il est célibataire, ce qui est totalement normal. Mais là, d'apprendre ça comme ça, je pense que ça a dû te faire vraiment mal, donc je suis vraiment désolée pour toi, mais honnêtement, tu devrais prendre tes distances aussi et rester juste amie avec cette personne. Bon voilà, cette vidéo est enfin terminée, je vais aller mettre mon petit gâteau au chocolat au four. Je te dirai ce que ça donne si jamais sur Insta, en story, je te le mets juste ici. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, je te dis à dimanche prochain. Ciao, prends soin de toi.